C'est une image qui vaut mille mots. La passation de pouvoir entre le président sortant de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, et le président entrant de cette organisation sous-régionale, Ali Bongo Ondimba. Ce moment fort a marqué le travaux à Kinshasa de la 22e session de la conférence de chefs d'État et de gouvernement. Investi, le nouveau président de la communauté a, dans sa déclaration d'acceptation, rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat. Il entend par ailleurs apporter quelques innovations au cours de sa mandature. Tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEAC. J'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de notre narratif communautaire sur la question de la préservation de la forêt. Du côté de la République démocratique du Congo, l'heure est au bilan. Un bilan dressé dans un contexte de crise institutionnelle au Tchad et de l'agression de l'RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23 a fait observer le président sortant de la CEAC. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire, pour ne citer que ces sanctions. La question de l'agression de la RDC a été également évoquée dans le communiqué final de ces assises lu par le ministre congolais de l'intégration régionale. Le chef d'État déplore la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit M23 pour ses nombreuses exactions et violences dont il se rend chaque jour coupable. De nombreuses autres allocutions ont été prononcées lors de cette conférence, parmi lesquelles celle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et celle du président de la commission de la CEAC. Dans une motion de remerciement, de fleurs ont été jetées au président de la RDC pour l'organisation réussie du sommet de Kinshasa. Le regard est présentement fixé sur Libreville au Gabon en juin de cette année pour le prochain rendez-vous de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé accord cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire, pour ne citer que ces sanctions.